Et voilà, on arrive. Ça faisait longtemps qu'on entendait parler. Je pose avec les NIS. Waouh, avec les NIS, c'est une position spéciale. Voilà, enfin, on fait le petit. Bon voilà, depuis que j'avais vu le ah, non mais comme j'ai reçu les IS récemment, le plus récent j'ai reçu voilà. Parce que sur IS actuellement, voilà, on est le 1er novembre 2024. Ah, plutôt je connaissais IS, une vie en tant que joueur, parce que IS depuis longtemps, hein, mais jamais la première attention. Enfin disons, à l'époque, PC, Linux, tout ça, donc oui, à l'époque, j'ai jamais c'était un peu la série, je pense qu'en 2003, enfin après c'est un roi de la réponse de l'État, je crois pas d'ailleurs, donc ça fait des choses dans laquelle on a traité, enfin j'ai fait des vidéos, après c'était la CPS2, PSP, tout ça, c'était en 2005-2007, c'est là que c'est Linux que ça fait plus grand, ça m'a intéressé, et après il y a un grand vide, j'ai connu jusqu'en 2009, et après j'ai arrêté, et après voilà. Et après, grâce à un IS, qui est là, le fameux IS VIII, notamment Adol, qui fait Vita à l'époque en 2017, c'est mon premier que j'ai vraiment fait. Enfin, le pire, c'est que je ne l'ai pas fait au début, ah non, non, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Je l'ai fait dès après. J'ai acheté en 2000, j'ai acheté celui-là après, où on l'a pris au magasin, donc je les ai achetés, et je l'ai fait que. J'ai fait que uniquement en 2022 sur en live, enfin en live, c'est pas la piste qui dit, je l'ai fait à l'époque en live et tout, quand j'avais à 3 ans, et je l'ai fait, et là depuis j'ai, voilà, et depuis j'ai fait tout ça, et j'ai mis sur ce là, j'ai fait, j'en parlais au chat, en parlait en social, tous les jeux, tout ça, j'en parlais, il y a pas mal de choses à dire. Voilà. En tout cas, pour ma part, sûr que les gens disent, c'est vrai, hein, c'est pas grave. Si tu joues une série que j'ai joué le premier, tu fais le premier, ben, c'est bon que tu connais, qui fait office de ah ben, pour les léger, c'est pas café. Mais alors que celui-là, quand j'ai fait le PS4, ben, quand c'est un peu là, c'est un brillant de celui-là. Voilà, c'est clairement, celui-là c'est encore en 2012. Au Japon, et puis celui-là c'est un remake du 4, puis Marvel Sun, tout ça, le 4, sorti en l'époque, enfin l'école, etc., le 4, donc c'est un remake de celui-là, ouais, pour vous dire toutes les références. Donc, et celui-là c'est même pire, celui-là c'est même pas, celui-là c'est un remake qui est la familiarité du 7 sur PSP, et sur 7. Bon ben bon, j'ai pas fait, mais j'ai vu l'image, je sais ce que c'est, voilà, donc tout est cool derrière. celui-là qui est fait à l'époque, les deux en live et tout. Et voilà, et j'ai fait avant. J'ai fait en live, j'ai fait passer une coupe, je me rappelle déjà dans le coup, j'avais adoré. L'histoire est vraiment impressionnante, avec Adol, de Célène, avec des monstres africains et tout. Son équipage, je me souviens, une enquête avec un criminel et tout, voilà, les gens qui meurent, c'est triste, et vraiment, t'es pris par l'histoire, et en même temps, pour l'avoir patiné, fait le minimum deux fois, et racheter le PS4 et PS5 après, c'est qu'en général, tu aimes le jeu. Dans le jeu, tu n'es pas faire plusieurs fois, tu te dis, ah, ça, je vais l'acheter pour le refaire à fond, là, tu fais une fois ou deux, une fois, et après, t'arrêtes, tu vas faire plus. Enfin, après, il y a des choses vraiment, mais voilà, donc oui. J'ai acheté après aux amours, donc en 2022, après la Belège, j'ai acheté c'est bon, oui c'est bon, ce truc-là, et surtout à l'époque, non, après, non, oui, Ronan et ici, vous voyez, c'est mon deux cœurs, c'est mon moyen, pour l'instant, actuellement, c'est mon préféré de l'effet. Même si les skis sont très bien, ah, il n'y avait pas de CLF, c'est le premier, donc répétons. Celui-là est sorti en 2016 au Japon, en Célène. C'était en 2016 en Europe avec la PS4 à même temps, avec Adol. Et moi j'ai découvert la série, j'ai fait en live en 2022, en 2 août, pendant un mois environ. En juillet, août, 2022. À l'époque c'est même pas que c'était au Japon, parce que c'était très Covid, donc je sais pas si je connais. Et donc j'ai en décembre, et j'ai acheté la version PS4 japonaise. Il y a un truc au livre, je l'ai refait en live aussi. J'ai fait en live aussi. Mais je l'ai refait en live en janvier 2023. Non. Ouais, je l'ai fait en live, c'est 23, je l'ai fait en live, c'est 22, je l'ai fait en live et tout. Et les élus, mais quand plus de la vie, quand plus de la vie, voilà. Et c'est le début. Voilà. Et ensuite, dans l'ordre, ça c'est, vous voulez me dire ça, les élus, j'ai que ça. Voilà. J'ai que 3 jeux. Mais bien sûr, à ce moment-là, fin en novembre 2022, justement au novembre, celui-là sort la version PS5, c'est même sur le avant, vu qu'il y avait les masters de la version PS4, c'était avant, parce que donc c'est en PS5, et là, je le fais bon après, c'est quand ça fait un temps, je l'ai fait après, et voilà, je l'ai refait et tout, je suis plus beau que la 4, je me joue, quand je l'ai fait enlever, et je le joue, et on réussit, et là on est en novembre 2022. Bien sûr, c'est quoi hein. Je vous donne 1000 sort en mars, en mai 2023, celui-là, le 9. Par contre, j'ai fait celui-là, on va voir les palais, parce que je rappelle, oui, ce jeu-là, le Barcelone, après c'était en PS4, et après c'était en Suisse après. Mais pareil, celui-là, d'abord c'était en PS4 en 2019, je pense. J'ai pas su, à l'époque j'ai pas su, et là c'est pas fait, je peux pas fait, et après c'était après c'est tout, c'est noir, et moi j'ai, et maintenant ce titre là, j'ai acheté le 8 et le 9, ces Switch ils sont au minimum avec 80 balles, 80 euros en plus, c'est bon pour moi, mais voilà, donc j'ai fait, là le meilleur, le plus là, je découvre en live, en juin 2023, avec j'ai fait un torture, j'ai fait un torture d'abord, je fais après et tout, alors que là pratiquement, Effectivement, c'est celui le plus vieux de la série. Parce que l'autre, il passe en bien avant. Mais bon, c'est un bien, le 9 est bien aussi. Voilà. Alors on est en. On est en 9. Voilà, et tout ce qui est là après, là c'est après, voilà. Alors, je vais au Japon là récemment, en août dernier. En août dernier, je vais au Japon en août dernier. Ah non, mais oui, oula, j'ai tout truc, voilà. Ça, on est en septembre 2023. Voilà, vous voyez, j'enchaîne les listes, hein, c'était fréquent, j'enchaîne le 2, le 8, le 9, facile. Et celui-là, c'est en septembre 2023, c'est en Japon, septembre le 28. Je l'achète quand je voyais, en premier. Je le fais en dégueulé, j'achète à un prix, j'achète en salle, je continue le jeu en un mois et demi, et vraiment je le fais, voilà, j'adore le 8, j'adore le 8 aussi, donc pour moi, le classement c'est le 8 on prend en ferré et le 8 10 après, ils sont au niveau, c'est différent, mais c'est des niveaux comme ça, j'adore, voilà, c'est le 8 10, le 10 c'est le j'ai donné, là découvre en first time, j'ai mal fait le jeu avant, j'ai découvert, j'ai regardé quasiment, voilà, pour vous dire, on est là, le 8. Et après, je vais au Japon, en août dernier, enfin un autre, etc. Et j'achète celui-là, j'achète le NIS, Fouben Mémoire Noir au Forella, qui est sorti, qui est un remaster ou un remake d'un jeu, sorti à l'époque PS2, PSP, 2010, et là, c'est celui-là est sorti d'abord en Switch en 2023, on met un remake je pense en Switch, et là il est sorti en mars 2008, parce que c'était la 5 que j'ai dit au Japon, mais non, j'achète celui-là. Et je l'ai fait sur trace de fait juste avant de mon quasiment fin août, je le fais en environ 15 jours. Il est fait, il est plié, voilà, c'est lisse. Autant que vous voyez, c'est un petit jeu d'action à projet, voilà. Mais bon, mais quand même, c'est la plus en Europe, là qui est sorti récemment, il sort en Europe, en janvier 7 mai 2025, en Europe, comme vous ne connaissez pas, NIS qui traduit, c'est le site, je pense. Ou même la Mario, donc il s'est pas traduit. Et ça sera en anglais. Enfin, vous les textes, on peut les avoir, mais texte en anglais. Voilà. Et là, on est revenu au Japon. ああ、正直、そんな。はい、シスターですが、そのような矛盾。Mon deux générations de X, et on est là, et chez YS IX Nordics, en l'an 1, sur le 25 octobre dernier. Et voilà, j'ai acheté la version PS5 et Switch, parce que voilà, c'est le premier dessus de la version là, et là je suis en train de le refaire en live, le YS Nordics, c'est vraiment très bien, vous l'avez avant, voilà. Donc voici ma collection X jusqu'à maintenant, j'ai pas un collector, parce que c'est un collector, pour savoir c'est assez dur, parce que souvent c'est pas, tu peux pas l'acheter autrement que sur le site NIS ou en Japon. Ou autre, mais c'est pas un truc qui vend en grande surface ou bien dans un magasin comme Amazon ou Slack. Donc c'est et j'ai raté. Pourquoi j'ai raté? Parce que j'ai acheté soit-ci 5 jeux. 5 jeux pour 300 €, tu vas pas t'acheter un jeu à 100 €, t'as acheté des jeux, enfin plus ou moins, donc sur 10, mais bon, c'est que tu vas pas t'acheter un temps, puis il est épuisé. Voilà, mais bon, en tout cas ce qui est chaud, c'est que il y a tout ça, et là plus l'année prochaine il sort celui-ci. Voilà, donc on verra ce que la série X nous réserve. Est-ce qu'il y aura un 11 avec une autre timeline et différents 8, on verra ça. Et c'est maintenant ce qui manque à faire, qui pourrait ressortir, on va stérilisé, et le 5, le 6, c'est qui manque c'est là, plus ou moins. C'est ça qu'ils font dans les prochaines années à venir, c'est pas mal. Voilà, on est là, X Collection, c'est fini, on est là, on est en 2024, là, c'est le après, X, j'attends toujours, je suis des RPG, aussi peut-être pas aussi, on aura connu tout ça que les films des autres, mais j'ai Japon, c'est la même place. J'aimerais les connaissent X, mais moi aussi. Voilà, merci, vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à apprécier, petit commentaire, relax, c'est un plaisir, merci, à bientôt, au revoir, bonne année, je vous remercie, bye bye, bye bye.